Nous faisons vision du football. J'ai la radio de la métropole. Ballon d'or des commentaires. Tu veux des plus spectaculaires? Tous fous de comme de foot. 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 Jérina débarque dans la classe avec la plume d'une rédactrice. Numéro 10 des commentatrices du football mode lol qui n'est pas triste. Tu veux des sombreros, fais ton entrée dans sa matrice. Jérina, on se lance pas de tir pendant que les gens transpirent. On casse des barres de rire. Nouvelle vision du ballon pour l'avenir. Oui, il y a eu beaucoup de changements dans l'effectif. Des joueurs qui sont partis, d'autres qui sont arrivés. Et voilà, je pense qu'il faut toujours s'adapter aux qualités que tu as dans l'effectif. Et Antoine, l'entraîneur, c'est pas différent. Donc nous avons des joueurs qui sont arrivés, qui sont vraiment des joueurs talentueux, qui aiment jouer le ballon, balle au sol. Aujourd'hui, on n'a plus Guillaume Moirot. C'est le grand devant qu'il faut mettre dans le ballon, dégager le ballon pour qu'il puisse discuter avec elle. Nous avons Kevin Damiro, donc il faut vraiment essayer d'arriver vers le soir devant. Et c'est ça qu'on essaie maintenant de faire. Et ça marche bien pour l'instant, que ça puisse vraiment marcher jusqu'à la fin. Sont bien. Moi, j'ai aucun souci avec les joueurs. Moi, j'essaie vraiment de les intégrer le maximum, même les nouveaux qui sont arrivés. On essaie vraiment de créer une bonne ambiance. Les encadrer les autres niveaux. Oui, tout à fait. Il faut, parce qu'il faut avoir cette cohésion entre les nouveaux, les anciens. Et c'est important que tout le monde puisse être à l'aise pour s'exprimer au maximum sur le terrain. Et donc, ce sont des joueurs qui sont arrivés talentueux, mais qui sont des joueurs simples, qui ne sont pas des stars, des célébrités qui disent je vais jouer tout seul. Parce que d'ailleurs, c'est un espoir collectif, il faut que tout le monde puisse vraiment participer à l'objectif du club. Ça m'apporte beaucoup la foi en Dieu, dans un Dieu véritable. Ça m'apporte beaucoup, ça m'encourage beaucoup parce que nous savons dans la vie quotidienne, on rencontre beaucoup de problèmes, de difficultés, de soucis. Dans mon métier également, on a de la concurrence souvent, on a de la jalousie. On a toujours des gens qui essayent de tricher pour prendre la place d'autres. Et donc, il faut, moi, j'essaie toujours de garder les principes de Dieu qui m'encourage, qui me donne la force d'aller de l'avant. Et savoir que Dieu, il y a pour moi en place. Vous voyez, il y a déjà un projet, un plan pour moi. C'est difficile, moi je n'ai pas de grandes préférences au niveau de footballeur parce que moi, si vous voulez, moi je ne suis pas un passionné de football. C'est compliqué de dire ça autour du footballeur. Mais moi je n'aime pas regarder le football, la télé. J'ai joué au football parce que c'est mon métier. Dieu m'a permis de jouer au football. Mais j'aime bien des joueurs brésiliens, par exemple Ronaldo qui a arrêté déjà sa carrière, qui était un grand joueur. Il y a eu aussi Romário, qui était un attaquant très droit devant le but. Après, dans l'actualité, il y a Messi, qui est un phénomène, un très bon joueur. Et j'aime regarder Messi parce qu'il est. Tu vois dans ce jeu qu'il n'est pas quelqu'un prépotent ou arrogant, qu'il se fait taper dessus et lui, voilà. Tout à fait, j'aime bien un joueur comme ça.
plutôt les conquêtes qu'on a eues. On a eu une fois la Coupe de la Ligue, une autre fois la Coupe de France. Oui, et je pense que la Coupe de France était un bon match pour moi parce que j'étais remplaçant ce match-là. Et si vous voulez, j'étais sur le banc des touches. Et à un moment donné, le coach dit Marcos va te chauffer. Moi, je suis parti en échauffement. Et c'est fini le match, c'était la prolongation. Et là, je commence à prier à Dieu. Je dis Seigneur, si tu veux que je rentre dans ce match, c'est pour gagner, Seigneur. Tu ne vas pas me mettre là simplement pour perdre. Donc, il me laisse ici droit, je suis tranquille, là, je suis bien. Et je pense que Dieu a entendu ma prière. Et finalement, le coach, sur la prolongation, m'appelle. Et je rentre sur le terrain. Et là, sur une action de mon côté, je fais une touche. Après, le ballon est revenu. Et finalement, pour conclure, on a marqué le but. Et on a gagné 1-0. Oui, et donc là, c'était un bon souvenir pour moi parce que, en même temps qu'on a gagné, c'était une réponse de ma prière à Dieu. J'ai la radio de la métropole, ballon d'or des commentaires, tu veux des buts spectaculaires, tous deux comme ce foot.